On y va ensemble. Tu cherches un homme. Tu cherches un homme que tu rendras sage. Me voici. Un homme qui craint le mal sans détourner le fruit. Me voici. Tu cherches une flamme. Tu cherches une flamme qui brûle dans la nuit. Me voici. Une terre fertile, un vase frais et vide. Me voici. Un cœur doux et docile que tu veux enrichir. Me voici. Tu cherches un arbre qui portera ton fruit. Me voici. Comme une terre fertile pour porter ta semence. Me voici. Jésus de ma vie, sois l'unique but. Jésus de ma vie, sois l'unique but. Me voici. Oh, tu cherches un fils. Tu cherches un fils, tu cherches un père. Tu cherches un homme, un grand leader. Tu cherches un fils, tu cherches un père. Tu cherches un homme, un grand leader. Oui, l'homme. L'homme que tu façonnes est bien plus fort que tous ses ennemis. Sa lampe est toujours pleine et ta lumière en lui resplendit. Il est à ton image. Il est à ton image et ta sagesse immense est en lui. Car il ressemble à Jésus. Il ressemble à Jésus et ta gloire repose sur sa vie. Un homme de Dieu, un homme de Dieu, un fils courageux. Oui, un homme de Dieu, travailleur sérieux. Un homme de Dieu, mari bienheureux. Un homme de Dieu, un père glorieux. Un homme de Dieu, un père glorieux. Tous ensemble. Des acclamations à notre Père, à celui qui est notre Abba. Nous allons confesser ensemble le deuxième couplet. J'ai trouvé ta grâce, elle m'a rendu sage. La salut. Quand tu donnes aux sages, il devient plus sage. Quand tu donnes aux sages, il devient plus sage. Il grandit. Oh oui, je connais ta parole. Je connais ta parole. Et je la médite par ton esprit. Dans la bouche d'un sage, elle devient une source de vie. Dans la bouche d'un sage, elle devient une source de vie. Comme une terre fertile qui portera semence, je suis. Jésus, je te suis, ton amour me guide. Jésus, je te suis, ton amour me guide, me conduit. Tu moins et tu me couronnes. Tu moins et tu me couronnes. Tu m'armes de ton bras pour te servir. En toi je m'enracine. En toi je m'enracine. Ô Jésus, ta présence me suffit. Tu cherches un fils. Tu cherches un fils, tu cherches un père. Oui, tu cherches un homme, un grand leader. Tu cherches un fils, tu cherches un père. Oui, je le suis. Tu cherches un homme, un grand leader. Personne à l'onze. L'homme que tu façonnes est bien plus fort que tous ses ennemis. Ma lampe est toujours pleine, ma lampe est toujours pleine. Et ta lumière en moi resplendit. Je suis à ton image. Je suis à ton image. Et ta sagesse immense est en moi. Je ressemble à Jésus. Je ressemble à Jésus. Et ta gloire repose sur ma vie. L'homme que tu façonnes, on peut reprendre ensemble encore. L'homme que tu façonnes est bien plus fort que tous ses ennemis. Ma lampe est toujours pleine. Ma lampe est toujours pleine. Et ta lumière en moi. Ta lumière en moi resplendit. Je suis à ton image. Je suis à ton image. Et ta sagesse immense est en moi. Je ressemble à Jésus.
je ressemble à Jésus et ta gloire repose sur ma vie. Confessons ensemble. Un homme de Dieu, un fils courageux. Un homme de Dieu, travailleur sérieux. Un homme de Dieu, mari bienheureux. Un homme de Dieu, un père glorieux. Oui, des acclamations à notre Père. Des acclamations à notre Père, à notre roi. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le Seigneur? Des cris de joie. Les 300 de Gédéon ont poussé des cris. Jéricho est tombé. Quand le Fils de l'homme est rentré, ils ont poussé des cris de joie. Est-ce qu'un juste peut pousser des cris de joie pour le Seigneur? Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à notre Père, gloire à notre roi, gloire à notre Seigneur, gloire à notre roi. Nous allons nous préparer pour entrer dans ce moment tant important. Quand nous sommes là, nous avons dit à papa que nous lui donnons notre cœur. Nous allons nous préparer à entrer dans ce moment où il va nous parler. Tous ensemble, prions encore et reconnaissons que nous avons un Père spécial. Un Père qui n'hésite pas à nous montrer son affection. Un Père qui nous a transmis sa nature. Un Père qui est toujours là, toujours présent pour nous à travers son esprit. Un Père illimité qui est venu dans nos limites pour les briser, afin de nous faire entrer dans son monde illimité. Un Père qui nous a choisis pour des choses meilleures, pour des choses grandes. Est-ce qu'on peut encore lever la voix pour glorifier ce Père encore? Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Tu es magnifique, papa. Tu es magnifique, papa. Magnifique. Oh, nous savons que tu es la Père. Et nous te rendons action de grâce, Père. Nous te rendons action de grâce, Père. Oh, Abba, Père. Oui, Père. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Père, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Est-ce qu'on peut le redire ensemble comme une prière? Tu es le Père de ma vie. Tu es le Père de ma vie. Oui, c'est toi qui nous as engendrés, Père. En toi j'ai trouvé le salut, la raison de vivre, Jésus-Christ, notre Seigneur. Reçois, ô Père, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. En reconnaissance, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. C'est pourquoi nous disons ensemble, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oui, Père. Père, nous t'adorons. Oui, Père, tes fils t'adorent, car tu es le Père juste. Père, nous t'adorons. Oui, Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. 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 Oui, Père saint et juste, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Prenons un temps encore pour l'adorer avec notre propre voix.
Tu es tellement digne de louange. Tu es tellement digne d'adoration. Tu es le Père, notre Abba, notre commencement et notre fin. Oh, je bénis ton nom. Magnifique Seigneur, tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Oh, 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 tu es le Seigneur des seigneurs. Oui, toi seul es digne Seigneur, et c'est pour toi que nous sommes là ce soir. Toi seul es digne d'être acclamé. Oui, Papa. Oh Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Oui, Père, ces acclamations sont pour toi, Papa. Père, nous t'acclamons. Oui, acclamons le Père, acclamons le Fils, acclamons le Saint-Esprit. Nous t'acclamons, oui Papa, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Père, nous t'élevons. Oui Papa, nous t'élevons, Papa. Nous t'aimons, Papa. Père, nous t'aimons. Oui, nous t'aimons, tes fils t'aiment, Papa. Père, nous t'aimons. Il a plu au Père de nous engendrer par sa parole toute puissante et de nous donner sa propre nature et de faire de nous ses propres fils au même titre du Seigneur Jésus, lui qui est le plus élevé. Il nous a amenés, tiré des ténèbres pour nous emmener dans son royaume et a fait de nous pas des serviteurs seulement, pas des esclaves, mais plutôt des fils. Il nous traite comme des fils et son amour pour nous est sans limite. Son amour n'a pas de fin. On ne peut sonder son amour, on ne peut connaître les profondeurs de son amour. Car avant que nous ne soyons, Père nous avait déjà aimés. Père nous avait déjà aimés. Il avait déjà décidé à l'avance que nous soyons semblables à l'image de Jésus-Christ, son Fils. Et ce matin, nous sommes à cette image et nous voulons le confesser. Nous croyons que tel tu es, tel nous sommes. Et Père, nous te rendons gloire, nous te bénissons, nous t'élevons. Toi, notre Seigneur, tu es digne de louange et d'adoration. Sois loué, Père. C'est pourquoi ce soir, nous confessons encore ensemble. Oui, Père, Père, nous te ressemblons. Père, nous te ressemblons. Tel tu es, tel nous sommes, Père. Oui, Père, nous te ressemblons. Tu es le Père de qui nous sommes tirés. Tu es notre image, tu es notre Abba, notre source. Comme une confession, confesse-le avec foi. Père, nous te ressemblons. Oui, Père, nous te ressemblons. Oui, je le confesse. Oui, Père, Père, nous te ressemblons. Prends le temps de le confesser encore pour toi-même. T'appuyons sur la parole qui dit qu'il a décidé que nous soyons l'image de son Fils. Prions quelques instants en langue. Père, nous t'adorons, nous t'honorons, reçois l'honneur, reçois la gloire.
Merci Saint-Esprit pour ta présence manifeste au milieu de nous, pour ton action évidente dans nos cœurs. Nous te bénissons, nous t'honorons en ce lieu, te rendons toute la gloire. Reçois notre acclamation en ce lieu. Comme si, alléluia, te bénissons au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, amen. Nous pouvons nous rasseoir dans sa sainte présence. Bienvenue encore à tous ceux qui nous rejoignent, ceux qui nous suivent en ligne dans différentes villes. Que le Seigneur vous bénisse également là-bas. Recevez la même grâce qui coule sur nous ici. Alors, nous avons notre atelier d'aujourd'hui qui s'intitule le témoignage, la pratique du témoignage en famille. Et je vais laisser la régie nous présenter notre orateur de cet atelier. Si vous êtes prêts, vous pouvez y aller. Amen, 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 amen. Alors, chers sages du tremplin des sages 2018, est-ce qu'ensemble avec moi, vous pouvez vous tenir debout pour qu'on accueille notre orateur et notre oratrice du jour, le pasteur Mohamed Soro et notre sœur Frédéric Soro. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alléluia. Ah ouais, donc c'est une joie pour nous de nous retrouver ensemble. Est-ce qu'on peut saluer son frère? On peut dire que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te donne de rentrer dans la plénitude de la révélation de tout ce que nous apprenons sur les sages. Alléluia. Voilà, donc c'est une joie pour moi de me tenir là humblement pour parler d'un sujet qui est très important, qui est le témoignage, pas maintenant individuel, mais le témoignage qui est maintenant familial. Alléluia. Et bien avant, j'aimerais rendre grâce au Seigneur, notre papa déjà, qui n'est pas là certes, mais qui certainement nous suit en ligne. Donc nous aimerons dire merci au Seigneur pour lui qui nous permet d'être là dans ce ministère. Alléluia. Et nous aimerons aussi dire merci à notre capitaine. Donc hier, on a vu que notre ancien Cyril est un capitaine. Alléluia. Alors donc nous prions que nous puissions aller très loin avec ce groupe de jeunes, d'hommes sages, de génération en génération. Amen. Amen. Voilà. Donc on va partager un peu sur un sujet qui est très important. J'aimerais commencer avec vous sur un passage dans Éphésiens chapitre 5. Qui est très important, qui va nous aider à pouvoir introduire la notion du témoignage familial. Je dis témoignage familial pour être un peu plus court. Sinon, le titre qui a été proposé, c'est le témoignage en famille. Alléluia. Et je me rends compte certainement qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore mariées. Mais cela, ce n'est pas un problème. Alléluia. Nous sommes pour les uns en préparation pour le mariage. Et pour les autres, nous sommes déjà mariés. Alléluia. Et donc, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, ils ne doivent pas se sentir lésés parce qu'on parle d'un thème
témoignage familial. Alléluia. Il est important dès maintenant de pouvoir embrasser le sujet afin que une fois que le Seigneur vous aura béni avec un foyer, vous puissiez jouer pleinement votre rôle de leader au niveau de votre famille, en orientant votre famille comme Dieu le veut. Alléluia. Alors, Éphésiens chapitre 5, c'est un texte biblique qui me touche beaucoup. Parmi tous les textes que nous avons sur la question de la mission, la moisson des âmes, l'importance de moissonner pour les âmes, nous avons Éphésiens chapitre 5 qui nous parle un peu du cœur de Dieu. Et c'est ce cœur-là que les sages que nous sommes, que nous soyons mariés ou pas, nous devons embrasser. Amen. Parce que Dieu a un cœur. Une fois qu'il nous a sauvés, tout ne se limite pas simplement au salut. Il attend que nous puissions aussi poursuivre ce qui lui tient véritablement à cœur. Alléluia. Amen. Alors, Éphésiens chapitre 1. Et rapidement, nous sommes à partir du verset, si vous voulez avec moi, 7. C'est le verset 9 qui va nous, ou le verset, si vous voulez, le verset 10 qui vont nous occuper. Mais j'aimerais lire à partir du verset 7. Est-ce qu'on peut lire ensemble? La Bible dit, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Alléluia. Et verset 8, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Amen. Et verset 9, nous faisons connaître le mystère de sa volonté et selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Dieu a un dessein. Donc le dessein parle du but de Dieu. Alléluia. Et Dieu a un dessein qu'il a formé depuis l'éternité. Et la Bible dit au verset 10, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Alléluia. Et quel est ce dessein? C'est de réunir toutes choses en Christ. Ah, ça c'est important. Amen. Nous sommes de divers horizons et nous avons diverses activités, entrepreneurs, étudiants et beaucoup, beaucoup d'activités que je ne pourrais citer. Alléluia. Mais Dieu aussi a une entreprise. Je pourrais valablement remplacer dessein par entreprise. Alléluia. Et l'entreprise que Dieu poursuit depuis la chute, si vous voulez, des premiers hommes, c'est de pouvoir réconcilier les hommes avec lui. Mais la Bible, on peut lire simplement pour être plus court, c'est de la réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. D'autres versions parlent de réunir toutes choses dans les cieux et sur la terre sous le gouvernement de Jésus. Alléluia. Ce sont les versions amplifiées. Donc, le but du Père, c'est que sur la terre, en tout cas, l'œuvre rédemptrice a visé le salut de chaque homme. Mais Dieu veut que les hommes de toute nation, de tout âge, de tout lieu, puissent recevoir cette œuvre rédemptrice et se soumettre à la Seigneurie de Jésus. Alléluia. Afin que Christ soit leur gouverneur. Il soit le premier ministre qui, si vous voulez, entre guillemets, règne sur tous les hommes. Alléluia. Et Dieu a voulu faire une chose. Non seulement il nous a confié individuellement cette mission dans Actes chapitre 1. Est-ce qu'on peut lire ensemble Actes chapitre 1? Ou bien on peut simplement le dire. Vous recevrez une puissance, allons-y ensemble, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes. Et il a dit d'abord à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Et là, c'est le mandat que nous avons tous en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est un mandat que Dieu nous a donné en relation avec le verset que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 1, verset 9, qui dit que Dieu a le but de pouvoir réunir toutes choses dans les cieux et sur la terre sous le gouvernement de Jésus-Christ. Alléluia. Et pour atteindre ce but, Dieu fait une chose, il nous donne le mandat de témoin. Alléluia. Et bien aimés, nous sommes de plus en plus en train d'étendre vers le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur est imminent et la responsabilité personnelle est de pouvoir témoigner. Et comme nous sommes des sages,
Nous savons que les sages et les hommes sont les têtes que Dieu a données à chaque famille. Alléluia. Et un sage qui est averti de ce projet divin et de sa responsabilité en tant que témoin a la mission aussi de pouvoir mobiliser sa famille. Alléluia. À mobiliser sa famille afin que sa famille soit impliquée dans le témoignage, afin que sa famille soit une entreprise divine qui travaille au but même, au plan parfait de Dieu. Alléluia. Alors, cher frère qui n'est pas encore marié, c'est l'opportunité maintenant de pouvoir déterminer ceux avec qui vous allez vous marier. Alléluia. N'est-ce pas? Amen. Il n'y a pas une personne qui me dit dans cette condition, « Ah, pasteur, est-ce qu'on peut marier une fille qui n'a pas encore reçu Jésus ?» Mais si tu me demandes ça, comment je vais te répondre en fonction de ce que je t'ai dit? Parce que je t'ai dit déjà que Dieu a un but. Et chacun a un mandat qui doit travailler avec ce mandat pour atteindre ce but, qui est que toute chose soit réunie sous le gouvernement de Jésus. Alléluia. Maintenant, si tu me demandes, cher pasteur, maintenant moi, je veux une sœur qui n'est pas encore en Christ. Comment ça va se passer entre vous deux? Amen. Il y a probabilité qu'entre vous, il y ait un conflit de témoignage. Parce que dans la mesure où toi, tu seras en train peut-être d'aspirer à témoigner pour que là-bas, le règne de Dieu puisse s'étendre, et elle aussi, si elle n'est pas en Christ, elle peut facilement t'entraîner loin de ce qui est essentiel. Alléluia. Alors, donc nous devons, en fonction de ce but-là, choisir nos différents partenaires, ce qui est très important. Alléluia. Donc, choisissez des partenaires qui sont bouillants pour le témoignage. Choisissez des sœurs et que le Seigneur vous conduise vers des sœurs qui ont un fardeau pour les âmes. Alléluia. Qui peuvent, dans le foyer, vous dire... Ces temps-ci, j'ai remarqué que tu n'évangélises plus. Et il faut que tu te mettes encore à évangéliser parce que Jésus revient. Et ceux qui sont en train de sommeiller par rapport à ce mandat divin qui est le fait de pouvoir témoigner, ils risquent de se retrouver devant le Seigneur avec une très faible récompense. N'ayant pas travaillé valablement à la dimension que le Seigneur avait prévu pour eux. Alléluia. Donc, ta femme ou bien ta fille, fiancée, va pouvoir te dire, mais il faut que tu te réveilles. Ou bien, réveillons-nous. Continuons de prier pour le salut de ceux qui sont autour de nous. Allons-y annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Ton partenaire doit t'aider en cela. Alléluia. Alors, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet avec quelques éléments tirés du message de notre papa hier. Hier, il a parlé de Joseph. Alléluia. Et parmi tous les traits caractéristiques de Joseph, Joseph a été un homme de bien. Alléluia. Un homme de bien. Et on a vu hier qu'un homme de bien, c'est une personne qui a plusieurs caractéristiques que vous citerez, mais parmi toutes les caractéristiques, on dit que c'est un homme qui est gouverné par la parole de Dieu. Une personne qui a le cœur, qui est assis dans la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est l'image du sage. C'est le modèle du sage. Un sage est une personne qui est assis dans la parole de Dieu. Et étant assis dans la parole de Dieu, tu comprends évidemment que Dieu poursuit quelque chose au travers des Écritures. Parce qu'avant de partir, il a dit, allez et faites des nations mes disciples. Un sage qui est assis dans les Écritures peut découvrir ceci. Matthieu chapitre 8, Matthieu 28, on va lire des versets que vous connaissez et on va tendre vers le sujet dans les profondeurs. Donc, un sage assis dans les Écritures, comme à l'instar de Joseph, sait que le roi ou le Seigneur, avant de partir, a dit ceci. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et verset 20, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, moi, la question que je vous pose, un sage qui comprend cela, qu'est-ce que Joseph a fait hier quand on a vu dans la pratique qu'il était assis dans la parole de Dieu, mais qu'est-ce qu'il avait invité sa famille à faire? Si vous vous souvenez un peu du message d'hier, qu'est-ce qu'il avait fait? Les versets qu'on a lus, qu'est-ce qu'il avait pratiquement fait? Donc, une main, Marco, donc avant Sylvain, oui.
tout ce qui était écrit dans la loi. Donc Sylvain va ajouter quelque chose. D'abord, je leur ai amené à s'installer à Nazareth, comme c'était écrit dans la Bible. Et chaque année, il amenait sa famille à Jérusalem pour faire le sacrifice où il était le plus jeune. Pour, voilà. Pour la Pâque. Alléluia. Donc, un homme assis dans la parole de Dieu comprend les priorités de Dieu. Donc, Joseph était un excellent charpentier, mais il était capable de pouvoir discerner ce qui était prioritaire. Alléluia. Il savait que la Pâque était une célébration importante pour les Juifs. Alléluia. Et donc, pour notre cas, d'une manière pratique, nous sommes des excellents à l'école. Nous sommes des excellents dans nos activités professionnelles, mais n'oublions pas, je vous en prie, la priorité de Dieu, qui est la grande commission. Le Seigneur a mandaté chaque enfant d'aller et de faire des nations. Et les sages que nous sommes, nous avons la responsabilité, en tant que leader dans nos familles, de pouvoir prendre cette vision qui est divine, et je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, amener nos familles à vivre cela d'une manière totale et pleine, ou faire de nos familles des instruments par lesquels cette vision aussi s'accomplisse. Alléluia. Dieu attend de nous que nous puissions faire de nos familles des moyens par lesquels l'évangile est promu. Alléluia. Est-ce que dans nos plans d'avenir, en tant que sages, nous pouvons, par la grâce de Dieu, placer la grande commission en tant qu'une ligne, la ligne principale de nos différentes ambitions? Est-ce que au-delà de tout ce que nous recherchons comme activité, entrepreneur, bon travailleur, bon employé et encore avec des projets, est-ce que nous arrivons au niveau où nous disons que la grande commission est la ligne principale sur laquelle nous marchons? Et que tous les autres projets que nous avons sont des projets qui viennent s'imbriquer à cette grande ligne-là. Est-ce que nous sommes dans cette optique ou nous sommes loin de cette optique? Alléluia. Joseph était un homme excellent dans ses différentes activités, mais il savait s'arrêter pour aller faire ce que Dieu attendait de lui autant qu'il fallait, la Pâque pour son cas. Et nous, nous célébrons constamment la Pâque et nous savons que le Seigneur est mort afin que quiconque croit soit sauvé. Alléluia. Amen. Alors, regardez avec moi. Quand j'étais en train de prier un peu par rapport à ce programme, je crois que le tremplin des sages a la pensée d'aller toujours encore plus haut. Alléluia. Et aller plus haut pour un sage, c'est la pensée que Dieu a pour tout sage. Alléluia. Pour chacun des enfants. Mais je crois de tout mon cœur que sans une prise, une participation, un engagement total dans la grande commission, toute gloire que nous pouvons vivre sur terre sera une gloire passagère, une gloire qui ne sera pas de longue portée. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à vivre une gloire sans précédent lorsqu'il viendra dans sa gloire avec les anges. Alléluia. Et ceux qui auront cru et qui auront marché dans ses voies auront part à la gloire du Seigneur. Mais le Seigneur a dit encore dans Luc chapitre, si vous voulez, avec moi, je crois le chapitre 9, je n'ai pas le verset, il a dit que quiconque a honte de moi devant les hommes, lui aussi, quand il viendra dans sa gloire, qui est la gloire maximale, entre guillemets, il aura aussi honte de la personne en question. Alors, nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Mais la gloire totale et maximale que nous visons, c'est d'avoir part au règne du Seigneur, à sa gloire quand il va venir. Alléluia. Avec ses anges. Et le Seigneur dit, pendant que vous êtes en train de chercher, ou bien vous êtes en train de monter de gloire en gloire, que la pensée du témoignage ou la grande commission soit le tremplin qui vous propulse. Que ce soit devant vous la pensée qui vous anime, que vos entreprises s'attachent à la grande commission. Soyez des sages qui sont vraiment impliqués dans la grande commission et qui ont la capacité de pouvoir également, si vous voulez, amener les familles à participer à ce projet par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Sans la grande commission, tout ce que nous pouvons vivre comme gloire
sera une gloire qui, si vous voulez, qui va pâlir lorsque le Seigneur va venir. Parce que toutes ces gloires vont disparaître et nous serons devant le Seigneur. Et si nous n'avons pas témoigné, il va nous dire, mais qu'est-ce que tu as fait des jours que tu avais? Est-ce que tu as été un leader comme il se devait pour ta famille, ta femme, tes enfants? Alléluia. Est-ce que tu as été une personne qui encourage ta famille à pouvoir témoigner? Alléluia. Est-ce que le témoignage est secondaire dans ta famille ou pas? Pendant que nous visons à aller très haut, n'oublions pas que ce qui est important, ce qui est primaire pour le Seigneur, c'est que les vies soient sauvées. Et attachons-nous à cette pensée-là. Et le Seigneur va nous propulser de hauteur en hauteur. Alléluia. Parce qu'il a dit dans Matthieu 6, verset 33, que nous devons chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Et toutes les choses nous suivront par la suite. Alléluia. Si nous avons le cœur entrepreneur, si nous avons le cœur employé, si nous avons le cœur selon les différentes activités dans lesquelles nous sommes, pour la grande commission, si nous sommes engagés pour le témoignage, si nous faisons des biens que le Seigneur nous donne, des moyens par lesquels l'œuvre de Dieu avance, des vies sont sauvées, des familles sont gagnées, le Seigneur nous prendra, il nous amènera de gloire en gloire. Et nous finirons par goûter à la gloire maximale qui est le fait que nous sommes dans sa présence lorsqu'il viendra avec ses anges dans sa gloire. Alléluia. Amen. Être un multimilliardaire n'est rien comparativement à la gloire du Seigneur quand il apparaîtra avec ses anges. Lorsque le Seigneur viendra avec ses anges et qu'il sera sur la terre, les multimilliardaires et toutes ces personnes qui ont de grosses voitures vont, s'ils s'en rendent compte, envier la présence de Dieu. Amen. Mais s'ils ne sont pas en Christ, ce sera une chose inaccessible pour eux. Amen. Alléluia. Ce sera une chose inaccessible. Mais nous qui avons la foi en Christ, lorsqu'il paraîtra dans sa gloire, nous serons avec lui. Amen. Et là, plus rien ne compte. C'est la gloire maximale. Mais en attendant que le Seigneur nous amène à cela, il veut que nous puissions prendre les escaliers de la gloire, différents types de gloire. Il va nous rendre prospères, nous faire avancer. Mais ce sera pour la cause de l'Évangile. Le Seigneur va permettre que tu puisses avoir une bonne relation, une bonne famille, mais ça sera dans le but de pouvoir mobiliser cette famille-là pour le témoignage. Alléluia. Est-ce qu'on se suit? Alors, j'aimerais un peu aller avec quelques versets bibliques qui vont nous aider dans ce que je suis en train de dire. Et hier, particulièrement, quand j'étais en train de penser un peu à ce message de ce jour, j'ai pensé à un verset, quelques versets qu'on va lire. On va prendre ensemble, si vous voulez, avec moi, Éphésiens chapitre 5, verset 23. Et là, c'est un verset qui nous rappelle le leadership que nous avons en tant qu'hommes. Alléluia. Donc, Éphésiens chapitre 5, verset 23. Et quand je regarde sur l'écran, la Bible dit, « Car le mari, on peut lire ensemble, est le chef de... » Les la femme. Amen. Et la Bible dit que nous sommes des chefs. Amen. Mais en quoi allons-nous exercer notre leadership? Parce qu'un chef, c'est un leader. Est-ce que le leadership consiste simplement à dire que tu es un chef à la maison, on va te servir, quand tu reviens du boulot, la nourriture est là, on te lave tout, et puis bon, c'est toi le chef. Amen. Ou bien ce leadership sera un leadership que le Seigneur peut utiliser pour que des vies soient sauvées. Amen. Pour orienter une famille, afin que cette famille-là puisse s'ancrer dans la pensée de la grande commission et des vies qui seront sauvées. Alléluia. Alors, pour lui, on dit, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Alléluia. Et on peut lire encore un autre verset biblique qui va nous aider pour la suite. Dans le reste des partages. Ecclésiaste, si vous voulez avec moi, 4, à partir du verset 9. Et nous allons lire ensemble Ecclésiaste 4, verset 9. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9. Et Deutéronome, chapitre 32, à partir du verset 30.
qui va nous aider dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. Alors, je suis en train de parler aux chefs. Mais c'est tout que Dieu, dans sa bonté, finit par donner à des chefs des femmes. Alléluia. Du moins pour ceux qui sont appelés à se marier. Amen. Et je crois que plusieurs sont appelés à se marier ici. Amen. N'est-ce pas? Alors, un chef dans la pensée du Seigneur n'est pas seulement celui-là qui va s'asseoir pour gouverner dans sa maison. Amen. La pensée du Seigneur, c'est que tu sois un bon chef dans le cœur duquel la pensée du témoignage est déjà remplie et par la suite, de par ta plénitude dans la compréhension du cœur de Dieu qui est que les âmes soient sauvées, tu puisses prendre ce cœur et le déverser dans une famille que Dieu va te donner. Amen. Si tu es un grand témoin et que ta femme ne témoigne pas, c'est un équipe qui n'est pas... Il faut que tu équilibres les choses. Amen. Amen. Parce que ça montre quelque part que ton leadership au niveau de la famille est un leadership, il y a un petit manque. Tu n'as pas su comprendre certains éléments que je vais citer par la suite. Tu n'as pas su amener ta femme à pouvoir adhérer au plan même de Dieu. On a vu que Joseph, hier, était une personne qui avait était assis dans la parole de Dieu. Mais étant assis dans la parole de Dieu, il avait su entraîner sa famille. Depuis Nazareth où j'étais, il partait constamment à Jérusalem pour aller faire la Pâque. Amen. Et aucune personne n'était opposée à ce plan. Amen. Parce que Joseph avait su communiquer le cœur de Dieu à sa famille, à sa femme et à ses enfants. Amen. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ne sont pas encore mariés. Mais tu es appelé à devenir un père de famille, un chef de famille. Amen. Que ton cœur soit comme le cœur de Joseph, assis dans la parole. Mais en cette étape de l'histoire de l'église où nous sommes, Dieu a une quête. Et sa quête est que les âmes soient sauvées. Et il veut que nous puissions aller de gloire en gloire, de hauteur en hauteur, mobilisant des richesses, des ressources si vous voulez, afin de pouvoir atteindre son but qui est que les âmes dans les cieux, sur la terre soient réunies sous le gouvernement de Jésus. Amen. Et le leadership en tant que père, en tant que mari d'abord, je ne suis pas en train d'aller dans le sens de la relation père, du chef avec les enfants, je parle de la relation entre l'homme et la femme. Le leadership que tu as ne consiste pas ou ne consistera pas au futur pour ceux qui sont fiancés et qui vont se marier à seulement s'asseoir et gouverner dans la maison. Mais Dieu attend que tu sois un homme comme Joseph qui a le cœur rempli de la pensée qui lui tient le plus à cœur et que les âmes soient sauvées. Et ayant eu le cœur imprégné de la vision de Dieu, tu es capable de pouvoir communiquer cette vision à ton épouse et encore plus loin à tes enfants afin que vous soyez un groupe, une armée invincible pour la proclamation de l'évangile. Amen. Donc, Joseph avait réussi dans ce côté-là. Il avait su entraîner sa famille dans ce qu'il avait compris de la parole de Dieu et dans ce à quoi il était assis. Amen. Et nous sommes des chefs. Et le verset que nous lisons dans Ecclésiaste 4, verset 9. Et lorsque nous avons un chef qui, d'abord, pour ceux qui sont fiancés, ont le cœur qui est rempli de la pensée du témoignage. Et parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'évangéliser, on a l'impression que ça concerne un groupe de personnes. Non, chacun de nous, nous sommes des témoins. Alléluia. Tous, nous sommes des témoins. Et ce que j'appelle le bon fondement du témoignage familial, c'est d'abord que le sage lui-même, il soit à même d'être imprégné dans son cœur de la pensée de Dieu et d'être un homme engagé dans la grande commission. Si le sage lui-même, il est une personne qui est engagée, qui a le cœur pour le salut des âmes, il sera un instrument par lequel sa famille sera embrasée par ce feu, s'il sait communiquer. Alléluia. Et lorsque nous avons un sage qui arrive à communiquer son cœur de témoin à son épouse, je suis d'abord dans la phase de l'épouse, on aboutit à ce verset, Ecclésiaste chapitre 4, verset 9.
La Bible dit, deux valent mieux qu'un. Alléluia. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Alléluia. Si tu étais un témoin efficace en tant que célibataire, ou pendant que aujourd'hui tu n'es pas encore engagé, tu n'es pas encore marié, si tu es un témoin efficace et que tu peux garder ce cœur, et par la suite, quand le Seigneur te fera la grâce de trouver une épouse, tu en arrives à lui communiquer ce cœur, vous serez deux vaillants soldats sur le terrain du témoignage pour gagner des âmes. Alléluia. Et comme le témoignage est tel que ce n'est pas juste une œuvre, si vous voulez, sédentaire, parce que le Seigneur a dit dans sa parole, vous recevez une puissance, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. J'expliquais à mon épouse que chacun des enfants de Dieu est appelé à vivre cette parole à sa manière. Peut-être que tu ne seras pas un témoin qui va passer d'un pays à un autre en tant que sage. Mais le Seigneur peut t'utiliser d'un espace à un espace. Il peut t'utiliser d'un quartier à un quartier, d'une ville à une autre ville. Et ceci peut être pour toi la représentation de ton Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. Et si le Seigneur peut t'utiliser ainsi et qu'il en arrive à saisir ton cœur avec le fardeau pour le salut des âmes et tu deviens un instrument par lequel ton épouse, ton couple est aussi imprégné de la vision du salut des âmes, le Seigneur fera de vous un couple qui part de témoignage en témoignage. Et quand on prospère dans le témoignage, la prospérité du Seigneur aussi suit. Parce que le Seigneur est fidèle pour apporter ce qu'il faut à ceux qui témoignent. Alléluia. Si tu es engagé dans la grande commission, si ton cœur est vraiment imprégné du fardeau du salut des âmes, si tu en fais un but et que tu es fidèle dans ton Jérusalem, le Seigneur va t'utiliser dans ta Judée, dans un territoire qui est un peu plus large. Voici une personne qui évangélise d'abord dans un quartier, tout seul. Il a la coutume d'évangéliser dans un quartier. Dieu lui fait la grâce de pouvoir trouver une épouse. Il communique à son épouse, ou peut-être que son épouse a déjà, avant même qu'il ne la rencontre, la pensée du témoignage, ce qui est extraordinaire. Et ensemble, vous commencez à évangéliser dans votre quartier. Mon activité professionnelle n'est pas un obstacle pour le témoignage. Quelle que soit l'activité que le Seigneur m'a donnée, il sait que la pensée du témoignage est vraiment une marque qui est liée à notre identité. Il sait que le témoignage est le but pour lequel il nous a restés sur cette terre, afin que son nom soit répandu, la connaissance de son nom soit répandue autour de lui. Donc Dieu nous connaissant, et sachant aussi la position et le mandat et la responsabilité qu'il nous a donné en tant que témoin, nous bénira avec des activités qui peuvent toujours nous permettre de témoigner. Donc mes études, mes activités ne sont pas un problème pour le témoignage. Voici le sage qui avait lui seul la coutume de témoigner, afin de pouvoir épouser et pratiquer le cœur de Dieu, qui est que les âmes soient sauvées. Dieu lui accorde la grâce d'avoir une épouse qui est réceptive ou qui elle-même déjà était animée de cette pensée. Le Seigneur vous prendra d'un territoire à un autre. Pas forcément que vous allez être des évangélistes internationaux, mais d'un espace à un autre, le Seigneur vous utilisera pour bénir une vie, une famille, des familles, des familles, des familles. Après quelques années, vous allez vous rendre compte que quand vous faites marche arrière, vous regardez juste derrière, waouh, le Seigneur nous a utilisés pour faire autant de bien autour de nous. Et dans la vie de ces personnes qui sont engagées dans le témoignage, je ne pense pas que le pain peut manquer dans leur famille. Amen. Parce que Jésus même a dit dans Matthieu 6, avant de partir au second verset, dont on a pris Ecclésiaste chapitre 4, verset 9, on va lire ensemble Matthieu 6, verset 33. Alléluia. Le bon fondement d'un sage qui témoigne, c'est déjà d'une famille, d'un témoignage familial, c'est que déjà le leader, il est le cœur qui a épousé le cœur de Dieu. Bien-aimés, ne laissons pas les activités étouffer la pensée de la grande commission.
Amen. Quel que soit ce que nous sommes, si le Seigneur permet que nous puissions encore vivre, c'est que nous avons encore une place et des rôles à jouer dans le témoignage. Amen. Si le Seigneur a permis que nous puissions vivre, que nous ayons encore la vie, c'est que nous avons encore des gens à toucher avec notre témoignage. Notre vie doit encore parler. Amen. Donc, aucune personne, femme ou homme, ne peut dire maintenant, à cause de telle situation ou à cause de cela, je ne peux pas. Si tu vis, c'est pour témoigner. Alléluia. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement, excusez-moi, le royaume de Dieu et la justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Par-dessus. Alors, lorsque mon cœur est porté sur la pensée du témoignage et que je communique à ma conjointe cette pensée, je crois que toute chose aussi va sur mon foyer. Amen. Amen. Si le Seigneur voit que ton foyer est un foyer de prière, d'intercession pour les voisins qui sont autour, pour les voisins qui sont autour qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus, si le Seigneur voit, tu n'as pas besoin d'être pasteur pour cela, si le Seigneur voit que le foyer que vous êtes est un foyer qui peut prendre des temps de jeûne pour qu'un enfant dans la résidence, parce que la plupart d'entre nous, nous sommes dans les immeubles des résidences, soit sauvé. Si votre cœur est constamment imprégné de cette vision et que de plus en plus vous entraînez en tant que sage vos familles à cela, croyez-vous que Dieu ne sera pas fidèle pour accomplir cette parole? Amen. Dieu n'est-il pas fidèle? Amen. Amen. Deutéronome 32, verset 30. Donc, retenez avec moi, s'il vous plaît, un élément important pendant que j'avance. Le bon fondement pour un témoignage familial commence déjà par le fait que le sage qui est le leader puisse lui-même être un homme bouillant pour la grande commission. Depuis quand tu as témoigné pour la dernière fois? Ou quelles sont tes résolutions par rapport au témoignage? Alléluia. Amen. Amen. Quelles sont tes résolutions? Amen. Deutéronome chapitre 32, verset 30. Comment, on peut lire ensemble, comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en poursuivraient-il 10 000 ensuite, en fuite. En fait, deux en mettraient-il 10 000 en fuite. Amen. Donc, un seul peut poursuivre 1000. Amen. C'est une loi d'association. N'est-ce pas qu'elle est valable pour les finances? Elle est valable pour chaque domaine de la vie. Je fais une bonne loi d'association avec une personne pour entreprendre. Si c'est un enfant de Dieu, je parle d'un enfant de Dieu, le Seigneur vous accordera de pouvoir vivre des choses encore plus glorieuses que lorsque vous êtes seul en train d'entreprendre. Mais pourquoi nous ne mettons pas cela dans le projet qui est le plus important pour Dieu? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire la loi d'association dans notre foyer? Pour dire, ma femme, Dieu nous a laissé cette terre, ce n'est pas d'abord pour beaucoup de choses. La première chose, c'est que nous serons des témoins. Alléluia. Donc ma femme, il faut parler de cela souvent avec ta femme. Pour vous qui êtes appelés à vous marier, qui avez le mariage devant vous, dans vos plans, votre vision, il faut qu'on puisse sentir que le monsieur, le sage que vous êtes, est un sage qui pourra gouverner sa famille ou conduire sa famille dans la pensée de Dieu. Amen. Qui est que nous soyons des témoins et votre famille soit des témoins. Alléluia. Amen. Et si tu es seul une personne capable de faire du bien, Dieu peut t'utiliser dans une sphère, dans ton Jérusalem, Judée, Samarie. Tu es une personne dans ton école, dans ton travail, dans le bus. Toi seul, tu arrives à bénir autant de personnes. Sachez une chose, le témoignage, la bénédiction, c'est vrai que nous visons à ce que les âmes soient sauvées. C'est le Seigneur qui sauve. Il va convaincre, les gens vont être sauvés. Mais regardez, dans mon expérience du témoignage, je me suis rendu compte que le fait simplement que nous partageons la bonne nouvelle à une personne n'est pas perdu. Parce qu'on a vu des personnes auxquelles nous avons simplement dit, annoncé l'évangile, qui dans un premier temps n'ont pas été réceptives. Mais on a continué de les côtoyer, d'être leurs amis, d'être leurs proches, de faire ce que nous pouvons pour garder le contact et surtout de prier pour eux. Et on s'est rendu compte que dans plusieurs cas, j'ai plusieurs témoignages comme ça, les personnes qui étaient insensibles à l'évangile, un jour tu les vois, d'elles-mêmes elles s'élèvent et viennent à l'église, et il y en a d'autres même qui parviennent à non seulement abandonner le monde, mais aller dans une accélération telle qu'elles commencent à devenir des ouvriers et à servir le Seigneur d'un cœur brûlant. Amen. Et on ne peut pas l'expliquer.
personne qui, alors que vous avez été plusieurs fois chez elle, pour lui dire, viens au Seigneur, abandonne cette vie, abandonne cette vie. Et cette personne, au début, elle semble ne pas écouter, ou bien elle comprend que c'est la vérité, mais elle n'a pas fait le choix d'abandonner le monde. Maintenant, il se trouve que des mois plus tard, ou encore une année plus tard, cette même personne, sans que vous l'ayez, disons, obligée, elle-même, elle s'élève, touchée par le Seigneur, elle vient, n'est-ce pas une joie? Alléluia. Une fois que la sémence, une fois que vous avez eu l'opportunité de pouvoir partager la parole de Dieu à une personne, la sémence n'est pas perdue. Le Saint-Esprit sait comment est-ce qu'il va œuvrer avec la parole dans le cœur de cette même personne jusqu'à ce que le temps vienne qu'elle se lève pour venir au Seigneur. Et si toi seul, tu es un témoin, Dieu peut t'utiliser pour bénir autant de personnes, un distributeur, entre guillemets, du message de l'évangile. Amen. Que les gens soient sauvés ou pas, ce n'est pas là le compte. Mais au moins tu parles du Seigneur. Mais quand vous serez à deux, imaginez-vous un couple qui est engagé pour le témoignage. C'est extraordinaire. Et vous-même, vous éprouverez de la joie quand vous ferez un bilan de votre vie. En regardant juste en arrière, vous allez voir, waouh, les années qui sont passées, ma bouche ne s'est pointue. J'ai considéré le cœur de Dieu qui est que les âmes soient sauvées et j'ai participé. Et Dieu fait le travail. Amen. Amen. Donc, le bon fondement d'un témoignage familial, c'est le fait que, déjà, le sage soit engagé. Et ces versets nous montrent que lorsque le Seigneur fait la grâce au sage d'avoir une conjointe, c'est une bénédiction. Vous pouvez bénir davantage. Alléluia. Amen. Alors, je vais prendre quelques éléments rapidement pour ne pas être trop long. J'aimerais parler un peu de la famille. Frères et sœurs, nous sommes des sages et la plupart d'entre nous sont, si vous voulez, appelés à se marier pour ceux qui ne sont pas encore mariés. La famille, c'est un groupement de personnes, je vais l'approcher de cette manière, qui sont réunies plus ou moins par des éléments qui sont solides, notamment déjà l'amour. Je parle du couple. Il y a l'élément fondamental qui est l'amour. Il y a aussi la vision surtout, notre vision. Parce qu'on se réunit sous la base de la vision. Ces éléments, on les trouve dans le cas d'un couple, de deux personnes qui décident de s'unir et fonder un couple. Et par la suite, ils vont avoir des enfants et ça va devenir une famille, si vous voulez, avec moi. Amen. On va y trouver d'abord l'amour. On va y trouver aussi, surtout, la foi, la vision. Alléluia. Amen. Ce sont des éléments déjà qui sont assez solides pour pouvoir réunir une famille autour de la mission, de la grande commission. Amen. Alors, au-delà du couple qui a ces différents éléments qui les réunissent, nous avons aussi les enfants que Dieu peut ajouter par sa grâce au couple qui se réunit autour de l'amour, de la vision et ensuite, si vous voulez, de la foi. Et ces enfants-là, naturellement, il y a le lien des sangs qui nous unit. Et encore, par la grâce de Dieu, quand il se convertit, il y a le lien spirituel de la foi qui est là. Alléluia. Mais regardez un peu cette famille. C'est un groupement de personnes qui sont liées entre eux avec des fondements qui sont solides. C'est pourquoi la famille devient soudain, si le sage peut embrasser le cœur de Dieu et il peut le transmettre à sa famille, la famille devient pour lui, si vous voulez, un centre déjà de partage d'intérêts. Amen. Ça, c'est un premier élément qui est très important. Ça dit que parce que dans ta famille, tu as la capacité de pouvoir partager les intérêts. Ça veut dire que naturellement, la famille est un lieu où nous partageons les événements qui sont favorables ou les choses qui sont heureuses et les choses, si vous voulez, qui sont difficiles dans la vie. Amen. Or, Dieu a permis qu'un homme et une femme puissent être réunis sous la base d'une vision, par la suite l'amour et d'autres éléments qui sont solides. Amen. La foi. Amen. Alors, la famille est pour lui, s'il a le cœur qui est embrasé de la pensée de témoigner ou de pouvoir participer à la grande commission, la famille devient pour lui, si vous voulez, un centre de partage des intérêts. Et là, je parle des intérêts qui sont célestes. C'est un centre de partage. Donc, si déjà nous sommes des sages qui sont mariés, qui n'avons pas coutume de pouvoir parler avec notre épouse du témoignage, sachons que c'est un centre de partage. Et nous avons des intérêts, nous avons des événements difficiles que nous partageons ensemble, mais nous avons aussi des buts qui sont les buts divins, qui sont au fait ce qui
tiens le cœur, au plus au cœur de Dieu, partageons cela avec nos épouses. Alléluia. Partagez. Si vous êtes en voie de mariage, partagez la pensée, vous qui êtes sage, avec vos fiancés. Faites de cela le but que vous poursuivez. Amen. Et que vos entreprises s'allient à ce but primordial qui est que nous soyons des témoins dans ce monde. Amen. Que vos entreprises servent pour le salut des âmes. Amen. Mais à part le fait que ce groupe de personnes soit uni par ces éléments que j'ai cités qui sont solides et qui font d'eux un lieu de partage des intérêts, la famille est aussi, si vous voulez avec moi, une ambassade que le Seigneur a formée. Amen. Et vous savez avec moi ce texte, venez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Et vous le savez. Et si nous avons la pensée d'ambassadeur au travers de ce texte, sachant que nous ne sommes pas appelés à être des ambassadeurs qui sont inactifs. Amen. C'est quoi un ambassadeur? Comment pourrons-nous définir un ambassadeur? Si je dois trouver un mot, un adjectif qui peut nous permettre de pouvoir désigner un ambassadeur, que dirions-nous? Un représentant. Qui a dit représentant? C'est bien. C'est exactement le mot que j'ai. Amen. Un représentant. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un, lisons ensemble, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Verset 10, verset 16, 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Amen. Dieu a pris son Fils. C'est en cela que je vois que le témoignage familial n'est pas une initiative humaine. Amen. Ce n'est pas un concept que TDS vient de créer. Dieu, pour le plan rédempteur, a pris qui? Son Fils. Afin que par son Fils, les hommes soient réconciliés avec lui. Il avait des anges et il a des anges. Mais il n'a pas pris les anges, il a pris son Fils. Et regardez un peu ce verset comme il est intéressant. Il dit... qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Chaque enfant de Dieu possède le ministère de la réconciliation au fait qu'il y a le fait de pouvoir témoigner. Amen. Donc encore, Dieu a commencé son plan de réconciliation avec les hommes, avec le Fils. Et il a confié par la suite à ceux qui croient, qui sont les enfants de Dieu, la même pensée de du ministère de réconciliation. Amen. Toujours en famille, Dieu a fait de sorte que le témoignage soit un mandat des fils. C'est une affaire familiale, non? Maintenant, si Dieu lui-même a fait du témoignage un projet familial, que faisons-nous de notre famille? Ou quelle est la pensée que nous avons de nos futures familles? Amen. Est-ce que nos familles sont, telles que Paul va le dire, des ambassades? Bon, on peut remplacer ambassade par représentant. Est-ce que nos familles sont des représentants du royaume de Dieu véritablement là où nous sommes? Sommes-nous des représentants silencieux ou des représentants qui sont opérationnels? Alléluia. Amen. Maintenant, Paul dit... Ça a commencé avec le Fils, le Père et le Fils, le témoignage. Et le Père a remis le mandat encore à tous les autres fils. C'est une affaire de famille. Et alors, si Dieu l'a fait avec sa famille, n'hésitons pas nous à impliquer nos familles dans le témoignage. Ne protégeons pas trop nos épouses et nos enfants. Ça ne sert à rien. Dieu a exposé son Fils, même il l'a envoyé jusqu'à la croix, pour que l'homme soit réconcilié avec lui. Si nous voulons regarder juste les petites choses que nos enfants peuvent souffrir à cause du témoignage, et Jésus qui allait mourir à la croix, Dieu a accepté que Jésus aille mourir jusque sur la croix. Quel père accepterait-il aujourd'hui de voir son fils être cloué sur une croix? Mais le père n'a pas regardé à toute l'endurance et toute la souffrance que pouvait connaître le fils. Il a dit, il faut que le fils parte pour aller témoigner. Et nos enfants, est-ce que nous les encourageons ou nous les encouragerons à témoigner? Amen. Amen. Et par la suite, Dieu dit, maintenant, les autres fils, moi aussi, je vous regarde.
J'attends aussi que vous aussi, vous puissiez être comme Christ, allant, malgré, si vous voulez, les oppositions, proclamer la parole de Dieu afin que mon nom soit connu. Amen. Je continue rapidement. Je parlais de l'ambassade. Donc, je parlais du premier. La famille est un centre d'intérêt, un centre de partage des intérêts. Partageons à nos familles. Et la famille est une ambassade, mais pas une ambassade inopérationnelle, mais une ambassade qui doit pouvoir opérer dans le milieu où Dieu l'a placé. Si Dieu vous a placé dans le quartier où vous êtes, c'est parce qu'il sait que là où vous êtes appelé à être des témoins. Alléluia. Témoignons. Témoignons. C'est le projet le plus cher au cœur de Dieu. Utilisons nos biens pour témoigner. Que TDS soit une des sages, aille en hauteur, soit une armée mobilisée par lesquelles des familles dans plusieurs nations, quand nous irons dans plusieurs nations, dans les familles, on puisse trouver des sages qui sont en train de partager la pensée du Seigneur à leurs femmes et à leurs enfants parce qu'ils ont compris que la famille est un centre de partage des intérêts. Et je parle des intérêts célestes, mais aussi parce qu'ils ont compris que la famille est une ambassade. Dieu a fait d'eux la tête d'une chaîne de personnes qui est simplement leur femme et les enfants. Tu es la tête d'une chaîne de personnes qui sont ta femme et tes enfants. Alors, opère que ton ambassade, bon, pas ton ambassade, mais l'ambassade que vous êtes dans le milieu où vous êtes, soit une ambassade opérationnelle. Parlez du Seigneur. Amen. Et maintenant, lisons rapidement ce verset, on avance. La Bible dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Amen. Donc, si ta femme, tu ne peux pas, ou ta future épouse, l'encourager au témoignage, quelque part, tu n'es pas en train de booster sa fonction, si tu veux, d'ambassadrice. Alléluia. Amen. Donc, nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Voici le message des ambassadeurs. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Que cela soit pour vous votre slogan dans vos familles. Qui encourage les gens autour à être réconciliés avec Christ. Amen. Et donc, si ma famille, je la perçois comme étant un lieu de partage des intérêts, je me conçois moi-même comme étant la chaîne d'un groupe de personnes que le Père m'a donné et que le Père a mis auprès de moi et nous constituons ensemble une chaîne dont je suis, si vous voulez, comme le premier maillon, alors notre famille peut être, si vous voulez, ensemble avec moi, une famille qui témoigne. Amen. Est-ce qu'on se suit? Amen. Le sujet est important, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est important? Est-ce que c'est important de témoigner? Témoigner, je me rappelle que j'ai commencé à témoigner. Témoigner n'est pas une chose facile parce qu'une personne peut dire, mais attention, pasteur, nous on ne sait pas témoigner, c'est maintenant qu'on entend ce message, ce n'est pas grave. Amen. Tu comprends? Ce n'est pas grave. Et la Bible dit, moi que j'ai commencé à témoigner, si vous voulez, quand j'étais au lycée, et quand au lycée, quand je partais témoigner, c'était évidemment comme pour tout homme. Et il y avait la honte, il y avait la peur d'être méprisé, si vous voulez, par les amis et les personnes qui nous écoutaient. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a accordé la grâce de pouvoir persévérer auprès des aînés qui m'encourageaient à témoigner. Alléluia. Amen. Donc, si vous avez honte de parler, ce n'est pas un sentiment, si vous voulez, qui est étranger, qui est seulement exclusif à vous. Mais il faut se lancer. Il faut y aller et le Seigneur vous fera grâce. À force de faire et par la prière, vous allez triompher. Amen. Donc, je vais tendre rapidement vers la fin de mon message. Amen. Donc, une famille, en 2 ou 3 minutes, en 5 minutes, rapidement, je termine. Une famille est une ambassade. Une famille doit s'organiser. Et c'est dans l'organisation que vous allez commencer maintenant à manifester pleinement votre fonction d'ambassadeur. Parce que si vous êtes des ambassadeurs, ce n'est pas un titre. Qu'allez-vous faire dans votre quartier? Vous êtes des représentants devant les voisins et les enfants et les femmes de votre quartier et de votre ville. Et donc, votre but est de pouvoir pleinement représenter, annoncer Christ. Donc, organisez-vous. Ayez des temps de prière pour ceux qui sont déjà mariés
par rapport à la question du témoignage et passer en action. Le témoignage a deux ennemis. Et quand j'étais en train de penser, si vous voulez, pour tendre vers la fin de ce message, le témoignage a deux ennemis, au moins deux ennemis, pour ne pas citer que seulement ceci. Le premier ennemi du témoignage, ça sera la honte. Le diable va envoyer le sentiment de honte afin de vous empêcher de pouvoir témoigner. Mais si vous êtes rempli du cœur de Dieu et par la prière, vous irez sur le terrain avec vos épouses, ne les protégeant pas, mais les encourageant à aller avec vous pour aller partager à une ou deux personnes. Si vous le faites une fois par semaine, vous allez vous voir que ça va devenir au fur et à mesure une discipline, comme on en a parlé hier, la bonne discipline conduit au succès. Et cette bonne discipline va vous aider à pouvoir jouer pleinement votre rôle de témoin dans le milieu où Dieu vous a placé. Et vous qui êtes en voie de mariage, je vous en prie, dans votre pensée ou vos partages, vos visions avec les futures épouses que Dieu vous met devant vous, ambitionnez de pouvoir manifester pleinement votre rôle de représentant en allant sur le terrain, en traversant, en outrepassant, si vous voulez, en triomphant sur la pensée de la peur. Amen, la honte. Amen. Et le second ennemi, c'est aussi, si vous voulez avec moi, le fait de remettre les choses au lendemain. Bien-aimé, remettre les choses au lendemain n'est pas une solution. Quand vous entendez un message sur le témoignage, le Seigneur permet qu'on puisse l'entendre parce qu'il sait que c'est le temps. Le temps pour témoigner, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on doit se lever et dire, bon, puisqu'il y a une insistance sur la pensée du témoignage, alors il nous faut, bien aimé, mon épouse et ma famille, m'organiser pour que nous puissions jouer notre part dans le milieu où Dieu nous a placés, afin que par nos vies, des personnes soient bénies pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Voilà. Donc, voici un peu des éléments qui vont nous aider à pouvoir échanger autour de cet atelier qui va commencer. Je crois que j'ai pris 5 minutes de retard. Et après les ateliers, je crois qu'on pourra poser des questions et approfondir les choses. Et je prie simplement que ce projet puisse remplir nos cœurs, la grande commission, et que le Seigneur réveille en nous la pensée même d'impliquer nos familles pour que nos familles soient des ambassades opérationnelles pour la proclamation de l'évangile autour de nous. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier une minute sur ce que nous avons partagé? Seigneur, nous voulons te dire merci. Prie pour ton cœur, toi-même en tant que sage. Demande la grâce de Dieu d'être un témoin, toi-même, si tu n'es pas encore marié, en tant que sage, sois un témoin dans ton milieu, et par la suite demande pour vous qui êtes mariés la grâce de pouvoir impliquer vos épouses dans la pensée du témoignage, afin que par vos vies, cette ambassade que vous êtes familiale puisse être des témoins opérationnels dans votre milieu. Ô Père de gloire, nous te disons merci parce que tu permets que nous puissions ensemble échanger, et je demande ô Seigneur que au-delà des mots qui sont parfois limité pour exprimer ta pensée, le cœur soit embrasé d'un feu, un feu divin pour cette pensée, pour ce projet que tu as qui te tient à cœur, qui est le salut des âmes. Merci pour ce que nous avons entendu, que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, donc je crois que je vais passer la parole à notre modérateur, l'ancien Élie, ou bien c'est Sylvain, d'accord. Alléluia. Bon, on va se lever et on va acclamer le Seigneur pour ce beau message. Voilà. On acclame très fort le Seigneur, s'il vous plaît. C'est un message puissant, c'est un message profond. Que Dieu vous bénisse. Merci au pasteur Mohamed. Merci à maman Mohamed. Que Dieu vous bénisse. Qui vous emmène encore plus loin.